Et les gens, bienvenue sur frappstage.fr ou sur mon blog 103.fr, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Fable 2, donc un jeu Xbox 360, on y joue sur Xbox One actuellement via le Xbox Game Pass, même si vous pouvez parfaitement jouer avec le CD d'origine sur la Xbox One. J'ai l'impression de raconter des bêtises. Allez hop, c'est parti. Ah mais je peux l'acheter carrément. Bonjour. 243 812. Il faut d'abord que je l'achète, d'accord. Bah, ce sera pas pour tout de suite, hein. Alors, capacité 8, force, je peux encore rien acheter, c'est 72 000 et j'ai pas assez. Bam, bam, bam. On va faire notre quête. Bam, bam, pour gagner du pognon en attendant. En même temps, on a acheté la ferme juste avant, on aurait peut-être pu la voir sinon. Padadam, pam, 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 padadam, padadam, pam, padadam, pam, padadam. Bon, là, le champion de l'arène, c'était l'occasion de gagner du pognon justement. Et de l'expérience par la même occasion. Ouais. Ah oui, il y avait le côté de Redlock favori aussi à Brightwood qu'il fallait que j'aille voir. Ouais, mais non. On va pas servir de la bière, on va continuer les quêtes. Pour l'instant, ça va, c'est pas dérangeant. On gagne 12 000 toutes les 5 minutes, donc... Je crois qu'ils tentent de communiquer. Là, là... Il y a une porte. Il y a un bard là. Mais c'est pas le bard qu'on entend chanter dans les... Dans les autres trucs. Ouais, ah, c'est tout le temps les mêmes... On gagne 14 301 à chaque fois. Donc ça devrait quand même aller assez vite. Eh bien, je ne rêve pas, c'est bien qui je pense. Oui, l'un des plus grands champions que la reine ait jamais connu. Sincèrement, j'aimerais bien, madame. Oh, et j'en connais un qui pleure d'émotion à la simple idée de revoir cet être cher. Pas vrai, chien fou? C'est vrai, je te donne faim, Isérien. Ouais, on est une grande et belle famille. Ou pas. J'espère que vous êtes là pour combattre. Il y a du pain sur la planche pour les vétérans comme vous. Le sang va encore couler par hectolitre. Ne dis pas les choses que tu ne feras pas, madame. Hein. Ça marche pas comme ça. Qu'est-ce que vous attendez? La gloire ne vous intéresse pas ou quoi? La reine. Allez hop, c'est parti. Faut que j'arrive à me souvenir que j'ai écrit derrière ce papier. Lequel? Seg. Mais faut en faire une, quiche. C'est pas bien compliqué. Tu fais de la pâte. Pâte brisée, hein. Allez, vas-y. Pâte brisée. Alors, tu fais des petits trous dedans, tu la fais chauffer un petit peu au four. T'en veux encore, hein? Alors vas-y. Puis après, une couche avec des petits morceaux de chèvre, puis une couche avec du fromage genre gruyère, puis une couche avec des lardons, des poireaux, des champignons. Puis après, la couche avec la pâte. Un petit peu de crème fraîche. Des œufs. Différentes épices. Re du fromage, et paf, t'obtiens une quiche. Non mais ça m'arrive d'en faire. Une tarte au thon aussi. Des tartes à la tomate aussi. C'est les rares moments où je mange des légumes. Quiche au poireau. Tarte à la tomate. Allez hop, c'est parti. J'ai rien acheté. Je suis trop une quiche. Attends, attends, est-ce que je peux revenir? Ouais. Si c'est bon, je peux revenir, je crois. Oui, c'est moi. Les fais pas attendre. Je pars d'une nouvelle émeute. Non, c'est pas le marchand d'armes qui m'intéresse. Y'a pas un autre marchand? Sérieux, rien d'autre? Je vais tout faire pour vous aider.
Tum 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 tum. Ça va vous plaire. Bon achat. Bonne journée. Bon achat. Voilà, on prend ça. Normalement, j'ai rien qui soit plus intéressant que ce que j'ai déjà. Ouais, 71, la mienne est 75. Voilà, j'ai ça, je crois. Coûte l'admettre. Bah, apparemment, il existe quand même des armes au-dessus. Et acheter le vêtement, on a déjà tout acheté. C'était la recette de la quiche. Exactement. La recette de ma quiche, d'abord. Bon, voyons voir comment ce gars va s'y prendre. Deuxième vague. 3, 2, 1, top. Médium. Les crocs, ça, les parades, il faut les faire. Troisième vague. 3, 2, 1, top. Divertissant. Les scarabées lancent une attaque. Ah, ça les tue pas tous, c'est pas juste. J'y crois pas, j'y ai cru, hein, que ça allait se passer. Tu parles trop fort. Chacun sa quiche, c'est ça. On a tous des recettes différentes, hein. C'est comme pour le rougail. Le rougail, c'est rigolo parce qu'en fait, autant les quiches dans la famille, on les fait plus ou moins tous pareils. Hein, c'est-à-dire que moi j'ai plus ou moins la même façon de faire que ma grand-mère quand elle était encore en vie. Ma mère fait pareil, mon père fait pareil, ma sœur fait plus ou moins pareil, je pense. Par contre, pour le rougail saucisse, il n'y en a pas un seul qui fait de la même manière, par exemple. C'est assez rigolo. Deuxième manche. 3, 2, 1, top. Première vague. Et voici notre challenger. Et pour bien tuer, c'est indispensable. 3, 2, 1, top. Ouais, mais il était peut-être pas vulgaire. C'était un instinct distingué, tu te rends pas compte. Elle était peut-être là la différence, hein. 3, 2, 1, top. C'est pas juste. Viens regarder ses chaussures. Qu'est-ce que tu as? Impressionnant. La perfection. Oui, ça va lui faire plaisir. Et ça nous fait un hop de moins. Allez, chien fou, ne pleure pas. Divertissant. Il a baissé la garde pendant une manche parfaite. Oui, il a intérêt à la remonter vite fait. Bah alors, je crois qu'il traçait les Kinders. Attendez de voir un peu les six manches restantes. De nous tous, c'est quand même ma soeur qui sait le mieux cuisiner. Elle fait de ses trucs. C'est tellement bon. Troisième manche. 3, 2, 1, top. Je pensais pas que tu réussirais. Mais si parlons de bien joué. Truc, quelqu'un a fait un gros trou dans le une discussion de plus pour notre héros intrépide. C'est bon, je suis pas tombé dans le trou. C'est clair. Deuxième vague. Ne laisse pas faire. 3, attaque. 2, oh non. 1, je top. Tu ne prendrais plus parti. Passionnant. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. On en est où là? Il en reste un. Il en reste un là-haut, mais non. Troisième vague. Toujours la même chose avec eux. 3, 2, 1, top. Plein dans le mille. Tu as fait ça. Il a bien failli en faire des petites tranches. Il a dû lui transpercer la peau. Spectaculaire. Quelle tragédie sanglante. Allez. J'avais dit que tu pleurais. Oh, parfait. C'est bon. Ça va assez vite pour l'instant. Le massacre somptueux et il
Alors attendez, du coup, capacité. Normalement, je dois pouvoir monter l'autre là-haut. Voilà, force. Contre. Donc ça, c'est appris. Et on a fini. D'accord, il n'y a plus rien ici. Ok, d'accord, d'accord. Bon, bah, adresse. Moi, l'adresse, je dois pouvoir apprendre ça, j'imagine. Même si on s'en fout un peu. Quadrillage, c'est quoi, quadrillage? Ah, on peut laisser de là où on vise, d'accord. Intérêt semi-intéressant, quoi. C'est bon, j'ai tout pris. Normalement, là, voilà, on arrive à la salle de négociation, donc on devrait pouvoir refaire le plein des différentes potions qu'on avait récupérées. D'ailleurs, à propos de potions, est-ce que je les avais bu? Genre ça, là. Potion de montée, j'ai 168 000 de capacité. Je ne sais pas exactement. Non, c'est pas capacité qu'il me faut. Ah, mais à chaque fois, je me fais avoir objet. Potion. Voilà, et une petite dernière. Ah, mais... Ce menu, par contre, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec. Vous pouvez acheter, moi, l'adresse. En fait, non, je peux tous les acheter. 322 284. Ça me va bien, moi, ça. Et ensuite, comme la fois précédente, 432 000. On va aller loin avec ça. Voilà, il faut 432 000 et 324. Tout va bien. Je sais pas, faudrait voir combien de parties on en est exactement. 8, 14, sachant que j'ai pas enregistré celle d'hier. C'est vrai? Merci. Alors, on a acheté objet. Non, bon, ça on prend au cas où. Ça on prend au cas où. Ça on prend. Pas pourquoi je prends autant de potions de... Parce qu'au final... Quoique si je meurs, on sait jamais. Mais j'en ai combien des potions de... Voilà, potion de résurrection, je peux mourir 6 fois. Donc Mirage ne pourra pas compter 6 fails. Vous vous rendez pas compte, hein, mais 6 fails en moins... Hein. Il nous faut combien, là, pour apprendre le dernier niveau? 72... Ah non, c'est pas le dernier. 216 000. Bah, pour l'instant, ça fait fail 0, du coup, puisque je suis mort 0 fois. Il me semble, hein. À part si Mirage me dit à autre chose, mais... Non, c'est pas de la triche. Je paye. J'achète. Tu vois, on appelle ça la corruption. Allez, hommes creux. Mais laissez-moi les taper. Ben ouais, donc 14 et on va dire qu'on en a 18, 19 heures peut-être. Quoique, en fait, maintenant que qu'on le dit, journal, il y aura des statistiques, non? Bon, il n'y a pas un truc sur le temps de jeu? Il faut compter à peu près... J'ai à 18-19, à peu près, en danger là. Ou alors sinon, sauvegarder fort. Ouais, non, il n'y a pas de... On a 14 heures de jeu, non? Ah non, c'est l'heure qui est dans le jeu, en fait, je suis bête. Pas possible qu'on soit qu'à 14 heures.
Parce que si on regarde là où il y a marqué 14h46, je me suis dit peut-être qu'on a 14h. Où est-ce que vous apparaissez les gars, venez. Là-bas. Il avait écrit à la fin, d'accord. Pas fait gaffe. Merci de l'avoir mieux lu que moi. Salut, c'est Bartz. Tu peux me donner le pognon, s'il te plaît? Merci. Salut Samos. Je sais pas quoi. D'accord. J'avais pas fait gaffe. Merci pour les infos. Suivant. Tum 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 tum. Première vague. Ah, ça me rappelle mon enfance. J'ai passé mes jeunes années dans un fort de bandits. On t'appelait pas Chio. Moi, c'était pas par hasard. Allez, chien, Chio. Non. Regardons juste la tuerie, d'accord? Spectaculaire! Cette exécution va lui donner une de ses confiances! Et tant pis pour les nombreux cadavres! 2, 1, top! De toute ma carrière, je n'ai jamais vu une si belle utilisation de la volonté à l'arrêt! C'est un expert! Je crois pas qu'il soit mort, lui. On parlait de ça tout à l'heure, Adrien. Manche parfaite. Manche parfaite. C'est une mission accomplie. Suivant. Merci, Sakura. On continue. Sixième manche. 3, 2, regarde le feu jaillir tes murs, chien d'argent. Mais ne contemple pas l'abysse. Quoi que tu fasses, ne contemple pas l'abysse. Pourquoi? Ça aspire les arbres. Ouh là là, ça aspire. Ouais, ça aspire aussi les framerates là. Pardon. Ah. Désolé, je tape dans le vide, c'est génial. Allez, on peut l'avoir. Yes, on l'a eu. Non, je recommence la reine.
Il aspire mon jeu, c'est ça. Nous sommes foutus. Bon bah ça, on s'en est pas si mal sorti. Une autre manche parfaite, pourvu que ça dure. Ah, à nouveau la salle des négociations. Je sais pas trop où est-ce qu'on en est au niveau des manches. Ça va nous le dire de toute façon. Donc non, non. Et coucou Dispéon. Je vais tout faire pour vous aider. Si tu le dis. Toc. 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 On achète tout. On est déjà à 204 000, donc c'est bon. Hein. On va les avoir, nos sous. Capacité ou non, objet. Potion. Voilà, objet. Potion. Voilà. Et c'est parti pour des manches. Ah non, l'avant-dernière, je crois, là. Il reste plus que deux manches. Septième manche. 3, 2, 1, top. Première vague. Ah, on peut sentir l'histoire dans cette arène. Ça sent le combat, le sang et la peur. Oh, tu l'as vu chasser, elle. Il deuxième manche. Non, mais tu l'as vu ça. 2, 1, top. Très efficace l'arme. Hein. Troisième vague. 3, 2, 1, top. Impressionnant. Il est encore de la volonté. Du mana à ce stade du combat. Du mana. Comment je t'ai eu, toi? Il a atteint la dernière manche. Voilà qui est fait, parfait. Manche parfaite, encore une fois. Allez, il reste plus que la dernière, on est bon. Capacité. Donc, normalement, j'ai plus rien à prendre en force. Il reste que de la volonté. Mais ça va me coûter très très cher, la volonté restante. Allez, hop, on s'en va. La dernière salle. La dernière des dernières. Agro. Rock and roll, man. Je vais faire apparaître tes trucs là. Si en même temps, s'il faut attendre que. Je sais pas si j'arrive à bien l'avoir lui. Ça disparaît à chaque fois. Il a atterri sur mes fesses. Il va pas pouvoir s'asseoir pendant la vie. Non. Allez, ça peut apparaître ton truc là. Mais pourquoi ça marche pas? Si, c'est bon. J'ai bien cru que j'y passerai pas. Et donc oui, ça biche. Que des manches parfaites. Quelle prestation ébouriffante! Nous sommes en train de vivre un grand moment dans l'histoire de l'arène. Enfin, d'histoire récente. Un champion vient.
vient de battre les 4 records. Un exploit d'une telle envergure est sûrement inimaginable pour tous ceux qui ont peu d'imagination. Hop là, bah voilà. C'était plutôt impressionnant. Non mais toi tu t'ôtais. Non mais oh, c'était impressionnant tout court. On a fait que des manches parfaites, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse de plus? Peut-être qu'on réduise le temps. Et encore. Allez, donne-moi tout ce que t'as à m'offrir. Je prends. Le coup près pire que votre côte là de maître. Ouais, mais j'ai pas très envie de... Il faut autre chose. L'uniforme. Quel uniforme? Capacité... Ah bon? Pourquoi tu le sors maintenant tout de suite? Quelle est cette arnaque? Objet, potion, je suis pas sûr que c'est un grand intérêt de voir le reste. On a 218 000, à mon avis, d'ici peu, on pourra acheter la baraque. Elle est à combien? 224, un truc comme ça? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme truc? Ah mais du coup la reine, je suis là pour la faire en boucle en fait, ça sert à rien. Ouais. Pas motivé. Les gargouilles, le sculpteur, tour de Brightwood. Il y a la tour de Brightwood. Disperum. Eh ben voilà, on a assez, c'est bon. On a combien? On a 27 minutes, c'est bon. Tu vas faire tomber les têtes avec ça. La prochaine étape, c'est quoi? C'est Métro 2033? Bonjour, manette qui vibre. Ah, j'espère qu'il n'y a pas manqué 500 pièces juste pour pouvoir acheter le bâtiment, parce que je vais me sentir bête sinon. Ah, c'était 243, je me suis trompé! Comment tu triches? On a fait de Métro 2033 et Métro Last Light. Ouais, mais c'est pas gentil. C'est profiter des faiblesses des gens, ça. La société d'assassins, transfert de fil, le forgeron de Borstel. Il n'y a pas un seul boulot de barman. J'ai pas envie de faire un transfert de civil, ça prend des plombes. En plus, c'est bien des missions qui sont un peu inintéressantes, quoi. T'adores faire tourner des têtes. C'est pas bien. Ah, t'adores les uniformes. Du coup, je sais pas quoi faire. En attendant. Parce qu'on a quasiment terminé toutes les missions à part celle-ci. Au pire, on peut aller poser pour le sculpteur. On va aller faire ça vite fait, ce sera fait comme ça. Mmh.
C'est-à-dire que c'est la maison où était notre femme avant. Enfin, qu'on se trouve dans la zone où habitait notre femme avant. Alors, moins 1500. Oh, ça pique. Vous avez pas un boulot de barman, s'il vous plaît? Comment ça rame? C'est pas stable du tout, là. Nouveau travail de mercenaire disponible. Non, mais moi, je veux un travail de barman, s'il vous plaît. Le reste, ça m'intéresse pas. De quoi? Eh ben, écoute. Ah, vous voulez pourquoi pas poser pour moi? Puis dans les faits, Westcliff, j'ai pas trouvé la suivante. Alors, nous devons, par la vérité physique, atteindre la vérité émotionnelle. Allez. Oui, votre technique est superbe. Fantastique. Non, non, non. Ah mince, j'arrive trop vite. La pause. Ah, le schtroumpf. Oui, votre j'avais oublié qu'il fallait la tenir. Superbe. Fantastique. J'espère que vous avez de l'endurance. Quelle stature formidable! Continuez! Je n'ai jamais eu un tel modèle. Tenez encore un peu! Tadam! Mon modèle touché par la grâce. Vous avez touché les braises de l'éphémère et en avez extrait les flammes de l'éternité. De tout ça, c'est fait. Bonjour le chien. Ensuite, quête carte. On va aller où, nous? Puisque l'archéologue, c'est bien gentil, mais j'ai peur qu'elle nous envoie choper un truc au milieu de nulle part. Donc, on va où? Est-ce qu'on fait l'archéologue? Quoique, je pourrais essayer d'avancer la quête de River. On va essayer de faire ça. On récupérera le pognon après, on ira voir Brightwood après. Peut-être que faire la quête de River, le début de la quête de River, en tout cas, nous permettra de récupérer assez de sous pour faire la tour et l'acheter. Moins 2500, on peut dire qu'elle m'a coûté cher là cette fois-ci. Madame. Hop, du pognon. 200. Ah, presque. Je me dis qu'il vaut mieux prévoir un petit peu plus au cas où. C'est toi? Dis donc, mes hommes n'arrêtent pas de parler de toi à longueur de jour. Toi, je sens que tu vas mourir aussi. Qui est cette personne qu'ils demandent? Les héros sont-ils de retour? Et blablabla, bla bla bla, tout ça, franchement, j'en ai rien à faire. Tu vois? Je suis sûr qu'on le voit dans le 3, lui. Que tu étais en train de te forger une réputation solide, j'ai découvert que tu t'étais récemment échappé de la flèche de Lucien. Donc? Sauf erreur de ma part, et bien entendu... Ah non, c'est pas de sa faute à elle. Tu veux que je t'aide à y retourner pour vaincre Lucien? Pour le coup, c'est pas de sa faute. C'est tentant. Qui sait quelle jolie petite chose il a accumulée là-bas. Mais il y a un hic. Tu as fait plein de choses impressionnantes, mais tu n'as encore rien fait dont je puisse vraiment profiter, tu vois? Mais attends, tu vas peut-être pouvoir faire quelque chose pour moi. Il y a un objet que je dois rendre à ses propriétaires dans les Marégores. Ils vivent dans un lieu charmant, appelé Cour des Ombres. J'irai bien moi-même, mais mes relations avec eux s'avèrent plutôt complexes. Bonne nuit, Seg. Fais de beaux rêves, prends soin de toi. Merci d'être passé, puis à la prochaine. Ne sont pas dignes de confiance. Voilà le topo. Tu fais cette petite commission pour moi, et je t'aiderai dans ta quête de vengeance, ou de richesse, ou de je ne sais pas ce qui se passe dans ta petite tête, d'accord? L'objet que tu dois ramener se trouve juste là. Tu vois, là. Tu vois cette petite œuvre d'art? Oui, c'est pas qu'une œuvre d'art. Ça demande un peu plus. J'ai vu. Prenez le seau. Le seau noir de River. En plus, c'est un seau noir. Ça en dit long. Bien, brave petit.
Reviens me voir quand tu l'auras déposé à la Cour des Ombres. À ciao. J'ai la telle impression que je vais sortir et va se faire tuer. Serais-tu par hasard en train de sous-entendre que j'ai les pommettes aussi basses que ça? La Cour des Ombres. Ce sont eux qui ont détruit Ogval. Il y a un grand puits au centre des Marégores, avec des tombes. C'est là qu'ils résident. Ah, c'est pas ça que je pensais, moi. Sois prudent. Cette mission est plus complexe que ce qu'a dit River. Ah, ça veut dire quoi, ça? Je vais crever? J'ai fait un stock. Ah, j'hésite. 242 810. Donc oui, je disais que c'est pas la faute de notre femme, parce que notre femme, elle réclame, quand on regarde le truc de la famille. Quatre cartes, famille. On remarque qu'elle ne réclame que 20 de budget quotidien désiré. Donc ça veut dire qu'elle, elle est censée, pour vivre, être bien, elle a besoin de 20. Tu vois, et nous, on lui envoie 500 à chaque fois, en quotidien. Au lieu d'avoir 20, elle a 500. Donc finalement, c'est pas de sa faute. Tu vois, c'est la plus de sous que... Elle n'utilise pas plus ce qu'on en donne, normalement. C'est juste que je donne trop. Toc. Où sont les armureries? C'est la préférence, c'est du sexisme. C'est comme ça. Ah, celle qui m'a fait une proposition. Bonjour madame. Désolé. On va aller voir le Marégore. Non mais même, jusqu'à présent, toutes les filles que j'ai rencontrées, il n'y en a aucune qui était vraiment dépensière. Hein. Enfin, toutes celles dont j'ai été proche en tout cas. C'était même plus le contraire en fait. C'est bon, tu vas? Tu l'avais déjà dit, oui. En live. Mais tu parles, on serait prêt à t'offrir la lune, pas besoin de réclamer. On va aller par là. Alors attends, qu'est-ce que tu peux me demander, toi? Dis-moi tout. Tu veux quoi? Ah là, c'était la musique, oui. J'ai toujours pas de truc de lutte. Je crois que c'était la musique. Je ne peux même pas aller au concert. C'est ça. Je suis coincé ici. À chaque fois, je repasse devant des trucs qui... Ouais, non, on va quand même se déplacer par la carte. Parce que j'ai pas envie de me retaper toute la grotte. Quête. Ah bah c'est bon, on a assez pour aller faire la tour de Brightwood. Donc, tour de Brightwood. C'est parti, mon kiki. Profiteuse. Ah mais ils sont encore là eux. Ils vont réapparaître à chaque fois. Mais non. Pas mourir un petit peu là s'il vous plaît. Comment je vole? Attends, je reviens.
Voilà. C'est comme il nous manque que le truc d'adresse, on va essayer d'arrêter de taper. Tiens, je te prends ça. Capacité. Voilà, ce qu'il nous faut, le truc d'adresse. On a besoin de beaucoup de points d'adresse. Donc on va essayer de faire comme ça. De quoi ? Est-ce que ce serait vraiment un jugement ? Je ne sais pas. Ah non, mais pas toi ! T'es chiant ! Cassé ! Je sais pas si ça s'appellerait ça de la tricherie. Pour le coup. Par contre, je comprends pas où ça va, ça. Y'a un passage secret, y'a quoi ici ? Je me souviens pas y être allé. Non mais tu triches déjà de base. À ce niveau-là, t'as un avantage. Y'a un coffre que je n'avais pas ouvert ici, d'accord. Rajouter ça, c'est juste rajouter un niveau supplémentaire à la tricherie. On achète. Ouais, fais attention. Tricheuse. Mot de garde. À quiconque lira ce mot, vous trouverez de haut en haut de cette tour un lit dont je n'ai pas encore percé le mystère. C'est un objet très étrange. Prenez garde, si vous passez la nuit dedans, vos rêves pourraient être plus dangereux qu'ils ne le sont habituellement amicalement garde. Ok. Mais ça m'appartient. Et vous savez quoi, on va couper la rediffusion avant. On va monter la barre tout en haut. Chut. Y'a pas de musique, c'est tout silencieux, ça fait bizarre. Héros, vous avez des potions de santé ? Bah au pire. Vous n'avez aucun talent, aussi sûr que je suis en pierre. Mais t'es où toi ? Attends, je crois que je te vois là-bas. Tu vas m'obliger à péter un vitraux. Un vitrail. Bon bah, avant de se jeter dans le lit, on va d'abord ouvrir le coffre si c'est possible. Et aller voir ce qui passe après. Le journal de Garth. Ce journal retrace l'avancée des nombreuses expériences occultes conduites par Garth allant de l'invention de nouveaux sorts de volonté à la préparation de potions. La dernière entrée du journal concerne sa dernière acquisition, un lit d'apparence normale qui sert de passage vers une autre dimension. Le pouvoir de l'objet dépasse toutes mes espérances. En dépit de mes nombreuses lectures sur ces reliques de l'ancien royaume et leur capacité à transporter quiconque dans un univers parallèle, je ne m'attendais pas à ce qu'elle possède une personnalité propre. Je tâcherai d'évaluer le degré de conscience de cet objet lors de mes prochains voyages, bien que je redoute quelque peu la nature de mes prochaines découvertes. Moi, je l'ai refait en normal, hein, mais... je l'ai fait en normal, en héroïque, je sais même plus. Je crois que c'est en normal. Et je me dis, si tu connais déjà le jeu, autant y aller comme ça, quoi. Si t'as déjà fait le jeu Anniversary, dans ce sens-là. Bon, allez, copieur de rediffusion. J'espère que cela vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstjeux.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live. Ciao. C'est moi. Non, c'est Marcus, normalement. Le patron. Qu'on se trompe pas à chaque fois, hein. Marcus.